And we are back! Et j'ai pas changé le team builder! J'ai actualisé le team builder! Donc, comme vous pouvez le voir, on est en train d'entraîner SR71. Il vient de sortir de la pension ainsi que Octa, parce que bah, c'est toujours bien d'avoir un petit Tentacruel qui traîne. Hein. Donc, les deux vont pas tarder à évoluer, mais là, je suis en train de gaver l'ami SR71 de baie. Pour qu'il soit, bah pour qu'il évolue en Oustanfer directement. Alors je sais pas si ça va suffire. Je vais vraiment lui donner tout ce que j'ai. Parce que de toute façon je ne compte pas. Je ne compte pas utiliser ces baies pour quoi que ce soit. Et là j'en ai mais vraiment la dose de ces baies complètement useless à part ça. Quelle idée de merde de mettre lire étiquette en tant que premier choix des baies au lieu de devoir les utiliser quoi. Genre t'es là tu dois faire bas à chaque fois parce que à chaque fois que tu veux utiliser une baie dans ce jeu tu lis l'étiquette avant. C'est débile. Bon, il a bouffé toutes les baies. Maintenant on va voir. Dans un niveau, il évolue en Osphère Alto, et on prie pour qu'il évolue en Ostenfer juste derrière. Donc ça, c'était prévu. Ça, c'était le truc prévu, ça. Ok. Moi, j'y crois pas, hein. J'y crois pas que juste le gavet de baie, ça suffit, hein. Non, malheureusement, il n'y a pas de Ostenfer. J'avais pas assez de baie. Je pourrais faire le calcul. Bon, de toute façon, ça va arriver d'ici peu, de toute façon. De toute manière, ça devrait arriver d'ici peu, hein. Ok. On va faire évoluer Octa aussi. Alors pourquoi j'avais besoin d'SR71 dans la compo bah tout simplement parce que j'ai plus jamais envie de refaire les erreurs du passé. Et en fait de juste wipe quasiment contre un Pokémon plante. Et Nosferalto et Nostanfer sont bah, des counters des Pokémon plantes. Mais c'est complètement mais fumé à quel point ils counter les Pokémon plantes. À part si ce Pokémon plante a une attaque psy, genre extra ascenseur ou psycho. Ils peuvent absolument rien faire à ces Pokémon là. Voilà. Eh ben écoute, on est pas mal là. Eh mais Boimbo m'a pas évolué au fait. Je te préviens, mon fils est plus fort que toi. Il a même relevé le défi avec Pokémon, je te signale. Ouais, son gamin, on peut le... Je suis un peu déçu qu'ils aient pas un petit peu plus appuyé là-dessus. Parce qu'on... En fait, si jamais tu fais pas gaffe, quand t'arrives à la route de victoire et que tu rencontres leur gamin et que tu l'affrontes, bah, en fait, tu peux ne même pas te rendre compte que c'est lui en fait. Alors que là, on t'a un peu teasé, tu vois, les quatre, ils te disent « Ouais, mon frère, mon petit-fils, il est trop fort, tu vois, il a relevé la ligue. » Au final, tu le croises juste à la route victoire, tu lui pètes la gueule et puis tu sais à peine que c'est lui, quoi. Du coup, je vais faire évoluer Boimboum tout de suite, parce que je veux voir Boimboum évoluer. Parce que actuellement, ce n'est qu'un Boimboum, mais je veux un Boimboum. Alors, le problème de faire ça, c'est que du coup, je viens de le caper, là. Niveau 33, c'est le niveau auquel évolue Chamallow en Camerupt. Le problème, c'est que là, il est capé. Je ne peux plus lui faire monter de niveau avant la prochaine arène. Et je rappelle qu'il y a le rival avant. Il y a le rival, il y a plusieurs dresseurs. Et il y a les dresseurs qui sont dans l'arène avant le champion d'arène. C'est-à-dire qu'il faudra que je fasse très attention. Je vais pas pouvoir me servir de lui trop longtemps, en fait. Bram boom. There it is. My big boy. Et le temps d'apprendre éboulement à l'évolution. Et ça, c'est tellement bien. Brum brum. Et ben voilà, on a une Popper Team. Oh, attends. Brum brum. Plus que Carigron qui évolue dans 3 niveaux, donc il ne pourra pas évoluer avant le champion d'arène, évidemment, avant Winona. Le problème c'est que là, faut que je fasse attention parce que Octa et SR71, ils sont pas pris de V. Vu qu'ils sont entraînés quasiment exclusivement à la pension, ils ont très très peu de V, donc ils ont pas beaucoup de V défensive. Donc bah, c'est des chips et ils font un peu moins mal que les autres. Donc faut que je fasse très attention à ça. Alors que bon, Boimboum, Carigron et Hound qui sont là depuis le début, eux ils ont bien stacké les EV. Hein. Here we go, Winona time. Enfin, rival time d'abord. Et je pars dans le mauvais sens. Alors à partir de ce moment-là du jeu, je vais faire attention à toutes les encounters sans exception. Je me souviens plus si c'est la quatrième ou la cinquième fois que je l'affronte. Ça le problème. Attends, je suis route 119 là ou pas? Donc l'Imagma niveau 29, l'Ombre niveau 29 et... Masco niveau 31. Alors attends, laisse-moi regarder. Pourquoi elle n'a pas fait évoluer en Volcaropod? Ça m'irait mieux qu'elle l'évolue en Volcaropod, comme ça il prendrait x4 sur haut. Mais attends, est-ce que Octa ne défonce pas toute sa team en fait? Non mais attends, son Lombré il a pas d'attaque haut. Donc en fait, Boimboum il défonce tout le monde. Boimboum extermine tout le monde. Boimboum le. Ah mais putain! Je peux pas l'XP! J'avais dit! Il est niveau 33, je peux pas! Je peux pas, putain, je peux pas. Ok, je fais Octa. Après contre l'Ombré, je switch sur SR71 quand il a plus beaucoup de vie. Yep, vas-y, on va faire ça. Salut meuf. Jail, où étais-tu? Je te cherchais. Tu as beaucoup progressé? Laisse-moi faire. Vous êtes prêts, tes Pokémon et toi? Évidemment. Allez, c'est parti. Évidemment. Ça se trouve, ils sont en train de crever, ils sont tous 2 HP. Bah évidemment qu'ils sont bons, tu sais.
Non, c'est surtout que je suis en train de faire un Nuzlocke en fait. Ok, donc surf. Je pense pas que ce soit un Dodge KO. J'ai pas de V. Autant pour moi. L'Imagma, c'est vraiment de la merde. Donc l'ombré. Qui va faire. Là, il va me faire. Fake out. Donc là, je peux suivre sur la 71 tout de suite. Parce que de toute façon, il va m'apeurer. Donc voilà, là le fake out. Ça fait que dalle. En plus, attention, empêche la peur. Mais bon, de toute façon, je peux pas jouer. Hop, cruel. Dommage KO. Oh, l'ombre, c'est vraiment de la merde aussi. Elle a vraiment des Pokémon de merde à part Masco. C'est un truc de ouf. Hein. Et du coup, bah là. Le Masco, bah, qui peut rien faire en fait. Qui va faire des poursuites. Oh! Putain! Ah, t'es une merde! Quelle force, Jail! Et moi qui craignais que tu aies décroché avec l'entraînement? Ah, mais toi, t'as décroché depuis le début en fait. Mais je n'ai pas de soucis à me faire, garde le rythme. Et viens là, j'ai un cadeau pour toi. Ah, c'est elle qui te donne vol. Nice. Pas que ta maman se fait du souci pour toi. T'inquiète. Oh non mais dégage. Ah putain, je peux pas esquiver l'encounter là. Bon bah écoute. Merde, c'est un guitariste. Il a probablement des Pokémon électriques. Et j'ai SR71 en lead. Yep. Ça c'est de la préparation. Ah non, j'ai Octa. Mais c'est encore pire. Ah, je veux les baies là-bas. C'est peut-être des baies qui augmentent l'amitié là. Bah, je la reconnais pas toutes, hein, mais. Prends un Pokémon amical. C'est parti, le gavage. Merde, non, je voulais pas la planter. Merde. J'ai même pas lu. Voilà, j'ai regavé de baies. Peut-être que maintenant il me kiffe, hein. On sait pas. Hein. Oh, j'avais pas vu, on pouvait passer par là, dans les herbes là, pour esquiver le dresseur. Hein. Bon, de toute façon, je suis arrivé à Simtronel, c'est pas grave. Ok, bah on fonce à la reine. Ah non, je peux pas. Il y a un Kecleon qui bloque, c'est ça? Ah, il me semblait bien. Faut que j'aille rencontrer Pierre à bord. Est-ce que j'attrape le Kecleon? Kecleon, c'est pas trop mal, hein, je pense. Ok, c'est elle et pas RNGL, nickel. Ah merde, mais si je veux attraper le Kecleon, faut que je fasse des repousses dans les herbes, là. Parce que sinon, ça va être considéré comme mon encounter, et moi, je veux un Kecleon. J'aime bien qu'on voit le Kecleon dans l'eau, je trouve ça stylé. Ça a pas trop de sens, en fait, au final, non? Ah si, ça a du sens, parce que les rayons de soleil, ouais, si, ouais. Salut Jail, ça faisait longtemps. Il y a quelque chose ici que tu ne peux pas voir, n'est-ce pas? Et si tu utilisais cet appareil sur cet obstacle invisible? Non, non, plutôt que de t'expliquer, je ferais mieux de te montrer. Ce serait plus sympa. Jail, tes Pokémon sont-ils prêts à se battre? Oui. Jail, montre-moi tes véritables pouvoirs de dresseur. Pirate-il le Devon Scope. Un Pokémon invisible devient entièrement visible. Le Pokémon effrayé attaque. Donc ça, c'est mon encounter. Je peux l'attraper. Il est putain de niveau 30 quand même, hein. Faut que je fasse gaffe, hein. C'est pour ça que j'ai mis un Hound en premier, je veux lui baisser son attaque. Si la Rafale Psy est feinte, Hound c'est le meilleur choix. Hein. Donc il a Rafale Psy, feinte, combo, griffe. Le problème c'est que je peux pas le remettre une charge parce que si je fais charge et que ça crit, je le tue. Mais Kecleon, ça va être chaud à attraper là, non? Attends, je vais regarder le calculateur pour éviter parce qu'en plus j'ai. Putain, j'ai oublié de racheter des balls. Je fais de la merde là. Hein. Alors. Un Kecleon niveau 30 avec 35% d'HP qui a pas de statut. Une Pokéball, j'ai 62% de chance de l'attraper? Et j'ai 99,99% de chance de l'attraper avec une Super Ball. Mais j'ai rien dit, c'est super facile. Bah, let's go en fait. Non, je pensais qu'il serait plus dur à attraper que ça. Je vois, ta façon de combattre est intrigante. Tes Pokémon ont en effet grandi depuis notre dernière rencontre à Myokara. Bah oui, quand même. J'aimerais que tu prennes ce Devon Scope. Qui sait, il pourrait y avoir un autre Pokémon caché. Bon, on s'affrontera ailleurs une prochaine fois. C'était un Hermure. Je sais pas si vous avez vu, c'était un Hermure. Hop, 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 hop. Ah putain, mais attends, elle est RNG en fait. Elle fait genre, elle est pas RNG. Regarde quand je m'approche. Regarde. Putain, je suis trop con. Je suis trop con. C'est mieux que je l'affronte tout de suite. Oh non. Eh, mais maintenant j'ai SR71. Plus rien ne peut m'arriver. Donc on va pouvoir commencer l'arène. On va faire avec Boy, il devrait pas avoir trop de counter là-dedans. Alors les puzzles, c'est easy peasy. Attends, est-ce que je suis obligé de l'affronter? On est d'accord que non. Toi par contre, j'ai pas le choix. Hein.
Ah, c'est un combat double. Merde, j'ai pas regardé qui j'avais en deuxième place. C'est Boom Boom. Non, faut pas que Boom Boom gagne de l'XP. Bon, on voit, ça devra aller. Oh, puis là, j'ai éboulement, on serait bête de s'en priver. Du coup, en cas de combat double, on va faire ça. Voilà, je me sentirai plus en sécurité. Alors... Putain, encore un combat double en plus, c'est même pas une blague. Mais encore... Je suis obligé de l'affronter, lui, c'est ça, hein. Ouais, si, j'ai pas le choix. Let's go! Les baies! Le gavage de baies! Nostanfer niveau 33! Qu'est-ce que j'adore Nostanfer, putain, mais... Il est trop stylé, ce Pokémon, c'est ouf. Let's go. Et on est arrivé à la fin. On va se heal, on met tout le monde au level cap, et on y va. Alors, je viens de tomber sur un Tentacool niveau 34 en surfant, et il vient de me faire constriction. Ça fait que je ne peux pas changer de Pokémon, et je ne peux pas fuir. Et il est mid-life. Et je n'ai pas le droit d'utiliser des objets. Et je n'ai plus de PP sur étincelle. Comment dire que c'est la grosse merde? Et que Kamikaze va mourir en fait. C'est plus que Sonic Boom. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Poisonne pas s'il te plaît. Ou baisse pas la défense, peu importe. Oh, mais il est mort. Mais il est mort. Laisse-moi fuir, laisse-moi fuir, laisse-moi m'en aller s'il te plaît. Kamikaze. Oh, constriction. Oh. Et libéré de ligotage. Je peux m'en aller. Oh putain de merde. Ok, je n'XP plus ici. C'est mort. C'est mort. Ok, ça y est. Winona, la fameuse endrunner. La fameuse dresseuse la plus violente de cette génération. Je ne peux pas être mieux préparé pour elle. Là, j'ai tout donné. J'ai absolument tout donné pour elle. Il y a un truc que j'ai pas donné. C'est j'ai pas appris surchauffe à Boom Boom. Je lui ai laissé Flamèche parce que je pense que ça suffira. Mais tout le reste, je suis au taquet. C'est-à-dire que tout le monde est capé niveau 33. Et au niveau de l'XP, j'ai fait en sorte à ce qu'il soit sûr et certain. À part peut-être Boy. Qui passe niveau 34 au moindre combat. On prend tout ce qu'on peut. Hein. J'ai appris Laser Glace à Carigron. J'ai claqué toute ma thune au casino. J'ai tout claqué, j'ai plus rien. Juste pour lui apprendre Laser Glace pour ce putain d'Altaria. Normalement... Boy peut se permettre, Boy défonce deux de ses Pokémon, SR71 défonce un de ses Pokémon, Boom Boom défonce un de ses Pokémon, et ensuite Altaria, j'ai Carigron avec son laser glace, Kamikaze qui est là pour essayer dans normalement l'électrocuter et de lui péter le gueule des explosions, j'ai évidemment Boy au cas où, j'ai Hound qui est là pour se sacrifier au cas où, pour baisser la vitesse et l'attaque. Je suis prêt, je ne peux pas être plus prêt que ça, j'ai regardé. Je connais toutes leurs attaques. Normalement, c'est bon. Normalement, rien ne pourra arriver. Je commence avec Kamikaze. Pour son petit Swablu. Qui a Perish Song. Je sais plus c'est quoi. C'est Requiem en français. Mais il ne peut pas prendre Requiem. Kamikaze. Parce qu'il a anti-bruit. Évite les attaques sonores. J'ai tout prévu. Très bien. D'accord ? Allez, allez Winona, 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 tu me fais pas peur, tu ne me fais pas peur. Tu n'arrêteras pas ma run comme tu arrêtes les runs des autres. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, j'ai un peu peur, j'ai un peu peur, j'avoue, j'ai un peu peur. Je suis Alizé, champion d'arène de Simtronel. Je me suis uni avec les Pokémon oiseaux et envolé dans les airs. Même si le combat a été exténuant, on l'a emporté avec grâce. Admire l'élégante chorégraphie que mes Pokémon oiseaux et moi avons préparée. Allez. Pas de HKO. Aéropiqué, ça me fait rien. Ça me fait... Ah, coup critique, je me disais aussi. Allez, étincelle. Hop, appuie tilton.
Je pense que je vais avoir des pertes durant ce combat, mais pas des pertes importantes en vrai. Là, de toute façon, Kamikaze et Hound, ils sont là pour crever. Roulade pourquoi pas en vrai. À place de Sonic Boom. Tandis que Kamikaze est rigide, évidemment. Alors, là ça va dans l'ordre ou pas? Quoi? Altaria direct? Non, 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 pas Altaria direct. Elle va commencer les danses Draco. Il faut que j'empêche de faire les danses Draco. Oh putain, je m'attendais pas à ce qu'elle envoie Altaria direct. Ou alors je sais que Kamikaze tout de suite. Je fais destruction, ça lui fait des dégâts. Et comme ça j'envoie... Je crois que j'ai pas le choix hein. Je fais destruction et Kamikaze hein. Direct hein, j'ai pris destruction pour ça hein. Parce que si elle place deux danses Draco, c'est la merde, c'est ultra la merde en fait. Et j'ai pas besoin de Kamikaze pour le reste, pour tout le reste de ma run en fait. Ce Pokémon, il était venu pour... Il s'appelle Kamikaze, il est venu pour ça, c'est parti. Rien à foutre, ça dégage. Je prends les dégâts. Et j'envoie Carrigon directement. La Béoran. Attends, il a pas fait dans un coup? Il a plus le temps d'attaquer? Il s'est passé quoi? Laser glace. Séisme? Pas possible, impossible. Allez, il n'y a plus d'Altaria! Ça dégage! On a géré le problème numéro 1. Let's go. Et là, normalement, j'ai un counter pour tout le reste de son équipe. Donc, Tropus, c'est pour SR71. Qui va faire Zénith? Non, le lance-soleil. Très bien, vas-y. Hein. Be my guest, ça me va. Oh, j'aurais dû faire vol. Il aura eu trop le seum. Non, mais en vrai, ça va me faire quoi? 20 dégâts? Impressionnant. Oh là là, même pas. Ça m'a fait 13. Je l'ai dit, le counter des Pokémon plantes. Hein. Trop bien, ça ressentait 11. Ok. Et là, du coup, on est parti sur un Hermur, je pense. Non, c'est Béquipan. Du coup, Béquipan, j'ai mon counter de prêt. C'est Boy. Niquez ton abri. Hop, je lui ai appris tonnerre pour être sûr de faire des OHKO. OHKO, c'est sûr et certain, oui. Je prends aussi le 34. Et là, du coup, elle envoie armure. Je fais tonnerre. Et je pense qu'on va avoir un OHKO. Et si on n'a pas un OHKO, bah, c'est pas grave. C'est le deuxième tonnerre qui terminera. Là, elle va faire quoi? Soit Fury, soit Jet de Sable. Mais c'est terminé. Hop, Kamikaze, le trou carry. Il est arrivé. Il a détruit le fight, littéralement. Je n'avais encore jamais vu de dresseur commander ses Pokémon avec autant de grâce que moi. Tu es le premier. En récompense ta prouesse, je t'offre ce badge. Alors comme ça, Winona, elle termine des runs. Avec le badge plume, tous les Pokémon jusqu'au niveau 70, même ceux échangés, obéiront à tous tes ordres. Tu pourras aussi utiliser l'attaque CS Vol en dehors des combats. Et ça, c'est un cadeau que je te fais. Aéropiqué. Ah, et là, je suis trop content. Franchement, passer Winona dans un Nuzlocke, c'est... Vous rendez pas compte du nombre de Nuzlocke que Winona a terminé. Hein. Encore toi? Merci à toi. Je suis très heureux de ce que tu as pu apporter dans ce fight. F pour Kamikaze. Merci à toi d'avoir participé. Ce fut court, mais ce fut bon. Et du coup, on va pouvoir accueillir Octa de nouveau, hein, probablement. Hein. Et voilà le travail, Winona, c'est fait. Et maintenant, le level cap passe à 42. Donc, on va avoir de la Team Aqua et de la Team Magma Bullshit avant d'arriver à l'île des jumeaux. Et on va avoir, évidemment, beaucoup d'entraînement à faire. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Ah, je suis content, là. Oui, je suis content, c'est vrai, voilà, je suis content.